Daniel Kablan-Duncan face à la presse ce matin. Le Premier ministre ivoirien fait le bilan de la situation économique du pays pour l'année 2013. Plus de 75 millions de substances chimiques au monde. Constat alarmant, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail appelle à une réflexion générale sur la question. Enfin, des militants pro-Morsi condamnés à mort aujourd'hui en Égypte. Ils sont accusés d'actes de violence et meurtres de policiers. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus. Trois sujets à l'ordre du jour ce matin lors de la troisième conférence de presse du Premier ministre ivoirien. Les infrastructures, le secteur privé et le bien-être social. Daniel Kablan-Duncan a relevé la consolidation de la stabilité en 2013 du cadre macroéconomique du pays avec un taux d'inflation maîtrisé à plus de 2%. Le chef du gouvernement ivoirien est également revenu sur les retombées économiques du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Les temps forts avec Noé Nyagno. 20e étage de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau, ce lundi 28 avril, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est face à la presse nationale et internationale pour son troisième rendez-vous du genre. À l'ordre du jour, les questions relatives aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être des populations. S'agissant des infrastructures, Daniel Kablan-Duncan a précisé qu'elles ont pour fonction essentielle donner à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement harmonieux. Plus de 500 milliards sont déjà investis. D'autres investissements sont prévus pour couvrir tout le territoire national et faciliter ainsi les mouvements des populations d'est en ouest, du nord au sud. Il s'agit du bitumage des routes Tiébissou-Sakassou, Kani-Boundiali, Boundiali-Odiéné, Ferke-Nassian-Bouna, Bouna de Repos, Broulequin-Toulepleu, Dananier-Frontière-Guinée, mais aussi de renforcement du tronçon Agnibleko-Frontière du Ghana, la construction des ponts d'Azito, de la baie du Banco dit 4e pont, du pont de Bétier, de Kouibli et de Kani. Couvrir tout le territoire national est une initiative louable, mais relier la Côte d'Ivoire au reste du monde et participer ainsi à la mondialisation de l'économie occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Voilà qui explique les investissements du domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation et l'extension de la gare de fret d'aéroport d'Abidjan, dont le coût s'élève à 26 milliards de francs CFA, a été officiellement lancée le 1er mars dernier. En outre, l'aéroport poursuit l'adaptation de ses pistes pour une réception aisée des turboporteurs de type Airbus A380, mais aussi de Boeing 787, et sa mise en conformité aux normes de l'OACI pour une certification que nous espérons obtenir en cette année 2014, ce qui devrait nous permettre d'accueillir des vols en partance, mais aussi en provenance des États-Unis notamment. Pays à façade maritime, la Côte d'Ivoire attend retrouver toute sa place dans ce domaine avec des investissements conséquents. Élargir la passe d'entrée du canal de Vridi et approfondir le tirant d'eau pour permettre l'accès de très gros navires. Le port autonome de San Pedro est également appelé à étendre ses infrastructures et installations donc techniques. Au total, plus de 1 000 milliards seront consacrés au secteur des infrastructures, a indiqué le Premier ministre, pour mettre la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence. Plus de 80% des maladies professionnelles sont causées par des produits chimiques. C'est ce qui ressort de la célébration de la 12e Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Ici, en Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale a organisé aujourd'hui une rencontre. Le but est de sensibiliser les travailleurs sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques. Bernard est ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. Son métier, il exerce avec beaucoup de précautions car, dit-il, le matériel de travail représente de prime abord un danger. Nous sommes en face d'une machine outil. Lorsque vous êtes en train de travailler, il faut être très prudent. Parce que en un rien de temps, si vous tombez sur le mandrin, ça sera difficile de vous avoir sans que vous ne soyez blessé. Souvent même, il y a mort d'homme. Tout comme lui, nombreux sont ses employés qui affirment travailler avec beaucoup d'attention du fait des risques d'accidents dont ils pourraient être victimes sur les lieux de travail. Il y a beaucoup de machines. Quand il y a un accident de travail, l'entreprise est obligée de prendre la personne en charge. L'entreprise qui ne fait pas, ce n'est pas dans les normes.
Les dernières statistiques du Bureau international du travail sur les cas d'accidents de travail sont alarmantes. Chaque année, sur les lieux de travail, 270 millions d'accidents et de maladies professionnelles mortelles et non mortelles sont relevés. Et en Côte d'Ivoire, environ 5000 cas d'accidents de travail sont enregistrés chaque année, selon la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, soit un accident toutes les deux heures. On est tous en danger dans notre environnement. Il ne faut pas qu'on attend seulement les journées mondiales ou les journées africaines pour faire de la sensibilisation. C'est de vrai toutes les deux heures que nous devons diffuser un message de sensibilisation sur la promotion de la prévention. Selon l'Office international du travail, les produits chimiques ont des dégâts nocifs tant sur la santé des travailleurs que sur l'environnement. D'où le thème cette année, la sécurité et la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail. Nous faisions le point avec Laetitia Manglé. Crise dans la filière cola en Côte d'Ivoire, malgré des acquis importants, le pays étant le premier producteur de la sous-région avec plus de 100 000 tonnes, le secteur de la cola fait face à des difficultés, notamment l'insuffisance des centres de production et le coût exorbitant des plantes pépinières. C'est pour remédier à cette situation et réorganiser la filière que le Syndicat national des commerçants de cola de Côte d'Ivoire a organisé récemment une rencontre. Patricia Omoetia. La localité d'Anyama constitue le fief de la production de cola en Côte d'Ivoire. Pourtant, les acteurs de la filière sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment la décomposition d'une quantité importante de la marchandise. Ce qui est gâté là, ça vaut 7 à 8 millions. Mais ce n'est pas l'argent d'une seule personne. Vous voyez, tout le monde a son nom écrit sur la cola là. Mais tout ça là, c'est brûlé. C'est un produit qui n'a pas de garantie. Tu peux payer vrai tout de suite à la personne. Aller chez toi au magasin, au moment où tu vas travailler en même temps, c'est brûlé. Toi, tu en as déjà payé. Et le commerçant aussi a payé le producteur. Le commerçant en sort zéro, le producteur en gagnant. Voilà ce qui est nos problèmes. Pour le Syndicat national des commerçants de cola de Côte d'Ivoire, une réorganisation de la filière est nécessaire. La Sinacoxi, qui est le premier connaisseur des problèmes des acteurs de la filière et qui se veut le premier défenseur de leurs droits et intérêts, demande toute la vigilance des autorités sur la situation et demande à être associés à toute organisation de la filière et être au cœur de toute prise de décision. Anyama compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la noix de cola. Les commerçants s'y approvisionnent afin de les exporter vers le Mali, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Burkina Faso. Direction à présent, le pays Sénoufou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le poro est un système initiatique pratiqué par les populations pour atteindre le degré suprême de la connaissance. Le Sejo en est la toute première phase. Elle permet aux jeunes de 18 à 20 ans de danser avant d'entrer dans le bois sacré. Notre reporter Serge Collier a assisté à ces réjouissances à Kamoraba, dans le département de Korogo. Les jeunes âgés de 18 à 20 ans du village de Kanoroba dans la région de Korogo vont enfin prendre connaissance avec les fondamentaux de la culture Sénoufou. Ils participent aux cérémonies initiatiques du Sejorom. Le Sejorom est l'étape préliminaire avant d'entrer au bois sacré. Aussi, cette cérémonie est-elle accomplie avec tout le rituel nécessaire. On estime que les jeunes gens là, ils sont un peu assimilés au Tchobel, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune notion. Et maintenant, on va les initier. On leur laisse quelques opportunités de s'habiller comme ils veulent, mais le torse doit être toujours nu. Et ils vont garder le torse nu pendant 6 mois. Ils vont aller dans le bois sacré 3 ans après. Et c'est leur initiation qui commence comme ça. Vous voyez, là, un initié. Et c'est ceux-là qui vont se charger de leur dire, vous ne portez pas d'habit pendant les 6 mois. Vous mettez tout ce que vous avez besoin dans votre sac. Et vous restez torse nu. Le Sejorom accompli, ils devront attendre 3 ans avant de se soumettre aux épreuves du poro. C'est donc avec beaucoup de fierté que ces jeunes font leur premier pas dans le cercle des membres de la culture Sénoufou. La réconciliation nationale célébrée dans le département de Tiassalé, c'est dans la région de l'Agnébi-Tiassa.
Les communautés Agni et les ressortissants burkinabés mettent fin à leur conflit suite au décès d'un jeune autochtone. Ce rapprochement est une initiative du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Les détails avec Thérèse Yoboué. Kondiebouman est un village de 12 000 âmes dans la sous-préfecture de Morocro, dans le département de Tiassalé. Ce village retrouve la quiétude après des heurts entre communautés Agni et Burkinabés. À l'origine de ces violences, la mort de Kwadio Alexis, jeune originaire du village. Ce dernier avait reçu des menaces de Tonde Ziga Ousmane, jeune Burkinabé, dont la femme a été prise en flagrant délit d'adultère avec Kwadio Alexis. Tonga Ziga Ousmane part pour son pays. Une semaine après son retour, Kwadio Alexis est mordu par un serpent et meurt. Une situation qui a provoqué la colère des parents et amis du jeune défunt qui accuse Tonga Ziga d'être à la base de la mort d'Alexis. Pour amener les deux communautés à la paix, une délégation du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire s'est rendue dans la localité. Elle a exhorté les deux communautés à faire confiance en la justice, à prôner le vivre ensemble, au respect mutuel et à la cohésion dans le village. La notabilité a pour sa part lancé un appel à la retenue et souhaité que le problème soit réglé au niveau du village. Pour l'heure, le calme règne à Kondiebouman et la gendarmerie a ouvert une enquête. En image à présent, plus de 1000 musulmans qui se terraient en périphérie de Bangui, la capitale centrafricaine, sont partis en masse hier dans le nord du pays. Ils fuient les fréquentes attaques perpétrées par des milices à majorité chrétienne. La Centrafrique qui dénombre aujourd'hui 22 morts, dont 3 humanitaires de Médecins sans frontières, dans une attaque perpétrée dans un centre de soins par des ex-rebelles dans le nord-ouest. Reprise aujourd'hui des pourparlers à Addis Abeba en Éthiopie sur le conflit au Soudan du Sud. Ces négociations destinées à trouver une issue politique sur la crise avaient été suspendues depuis début avril. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika nomme aujourd'hui son directeur de campagne Abdelmalek Sellal au poste de Premier ministre. Cette nomination est la toute première décision du chef de l'État algérien, quelques heures après sa prestation de serment pour un quatrième mandat. Le président syrien brigue un nouveau mandat. Bachar al-Assad officialise aujourd'hui sa candidature à la présidentielle du 3 juin prochain. Près de 700 militants pro-Morsi condamnés à mort aujourd'hui en Égypte. Ils sont accusés d'actes de violence et du meurtre de policiers. Elle crie à l'injustice à l'énoncé du verdict. Le tribunal de Minya a condamné à mort en première instance 700 partisans présumés du président égyptien destitué Mohamed Morsi, accusé d'avoir participé à une manifestation violente en août 2013. Ce même tribunal a par ailleurs commué en prison à vie la majeure partie des peines capitales qu'il avait prononcées il y a un mois pour plus de 500 autres partisans de la confrérie. C'est l'incompréhension et la colère qui dominent chez les proches des condamnés. Je jure devant Dieu, il n'a rien fait. La police est venue l'arrêter alors qu'il dormait et elle a commencé à enquêter sur lui. Nous dormions tranquillement. Il est digne de confiance, bien élevé. Il fait ses prières. Il est éduqué. Parmi les condamnés à mort, une grande personnalité de la confrérie des frères musulmans, Mohamed Badi, le guide suprême, accusé d'incitation à la violence. Les avocats entendent déjà se pourvoir en appel et en cassation. Ils assurent que les peines seront annulées tant la procédure et les droits élémentaires des accusés ont été bafoués par un juge unique et inique. Le droit à la défense a été violé. Dans un cas normal, pour défendre quelqu'un qui est présumé assassin, cela prend 1 ou 2 ans. Mais ici, regardez comment ça se passe. Ils jugent ça directement lors de la première audience. La communauté internationale dénonce une farce judiciaire. Beaucoup parlent d'un verdict politique en cette période de répression contre les frères musulmans et à un mois de l'élection présidentielle. Pour terminer, de violentes tornades ont dévasté hier le sud et le centre des États-Unis. On dénombre au moins 18 morts, des habitations et voitures détruites. Voilà, merci d'avoir été ce soir avec nous sur RTI 2.